moi, c'est docteur Mamman Abdou Oumarou. Donc, je suis responsable du centre de formation au centre de recherche médicale et sanitaire CERMES au Niger. Au CERMES, je m'occupe à la fois du centre de formation et depuis pratiquement 4-5 ans, je développe des activités de recherche en sciences humaines et sociales appliquées à la santé. Au CERMES, j'ai pu conduire pendant la période Covid, en plus de mes travaux de doctorat qui ont porté sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc, j'ai pu conduire à l'occasion, pendant la pandémie de la Covid, 3 recherches à travers le financement du projet RIPER. Donc, c'est à la suite de ces 3 recherches qu'on a pu maintenant, avec le réseau sciences humaines et sociales appliquées à la santé des instituts Pasteur d'Afrique, on a monté encore un nouveau projet qui s'appelle Alliance SHS, sciences humaines et sociales d'Afrique, et dans lequel il est structuré en plusieurs composantes. Ce projet déjà permet à la fois au CERMES de participer en réseau avec les différents membres des instituts, de faire du travail en commun, collaboratif, échange de procédés, apprentissage et conduite de recherche. Donc ce projet Alliance SHS, dans sa composante 1, questionne l'effet de la vaccination Covid sur les autres dispositifs vaccinaux, et on a constaté pendant la période 2020 à 2022 et des alertes déjà qui ont été données par pas mal d'institutions internationales, comme quoi Covid et la vaccination Covid et son contexte auraient eu des effets sur d'autres dispositifs vaccinaux. On s'est intéressé à cette question, nous, au Niger, et d'où l'intérêt de pouvoir répondre ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là et comment est-ce que le contexte Covid, nous pouvons apprendre des leçons à partir de concepts, de ces contextes, pour pouvoir améliorer les interventions de santé et chez nous au Niger. Du coup, donc, cette question, cette composante 1 qui questionne cet objet-là, va permettre très certainement d'apporter des réponses qui pourront probablement ou éventuellement à améliorer ou aider à monter des dispositifs de riposte, des solutions par rapport à cette problématique si particulièrement.